Le plus important pour moi, c'est les longues notes. Long tones. Long tones. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Et toujours ouvrir ses oreilles pour, si le son est bien et que le jeu paraît facile, c'est qu'on joue dans la bonne direction. Ah. Voilà. どうも皆さんこんにちは、ミュージック感動です。前回の動画でマークから音楽家の本質である音についてのお話をいただきましたが、では具体的にどのような練習で音と向き合っていくのか、今回はそういったテーマでお送りしたいと思います。彼と一緒に演奏することもありますが、会場を包み込んでいくような包容力のある音色、それがどのような練習と考え方から生み出されているのか、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは本編の方へどうぞ。もしマーク先生が日頃から行っているその音色を磨くためのテクニックや練習があったら、ぜひ教えていただいてよろしいでしょうか。Donc des petits exercices pour le son, je dirais le plus important pour moi, c'est les longues notes, long tones. Long tones. Voilà, ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Pendant combien de temps? Ça dépend des jours, quand j'ai du temps ou pas. Alors, je suis un exemple un peu bizarre parce que je joue beaucoup. J'adore travailler mon instrument. Ouais. Déjà. Voilà. C'est pas pénible pour moi. J'adore ça. J'adore passer du temps sur mon instrument. Donc, quand j'ai pas l'orchestre ou des concerts ou des choses comme ça, je peux passer énormément de temps sur. Je fais 6 heures ou 7 heures de trompette dans ma journée. 6 à 7 heures. Oui, j'attaque. Ben, en fait, je me lève tôt le matin. Ouais. Je me réveille toujours tôt. Donc, j'attaque tôt ma routine. Voilà. Et ensuite, je travaille. Voilà. Beaucoup en général. Mm. Voilà. Mais pas parce que je me dis que j'ai besoin de beaucoup travailler ou pour me rassurer. Moi, c'est juste que j'adore travailler mon instrument. C'est un moment de plaisir pour moi. Et ça aussi, c'est important. Je trouve que quand on fait. Musicien, c'est un métier de passion. Mm. Donc, c'est important d'avoir une relation positive avec son instrument. Mm. Et que ce ne soit pas quelque chose de conflictuel. Tu vois. Donc, cette relation que j'ai avec mes trompettes, au quotidien, je passe beaucoup, beaucoup de temps à travailler, à explorer. J'achète beaucoup de nouvelles méthodes. J'essaye des exercices pour mes élèves. Mm. Donc, comme j'enseigne au Conservatoire de Paris, j'ai des grands élèves qui jouent tous très bien et qui ont des... Voilà, ils n'ont pas de problème de trompette particulièrement parce qu'il y a une sélection au Conservatoire de Paris qui est assez importante au départ. Mmh. Donc moi, j'ai 9 élèves et dans la classe d'Alexandre Batty, il y a 9 élèves aussi. Et j'aime bien essayer de trouver des nouvelles choses à leur faire travailler. Donc je travaille beaucoup de nouvelles musiques et beaucoup de... machin pour leur proposer. Mmh. Et donc, pour moi, pour ma routine, ce que j'aime travailler, c'est toujours des long tones. Long tones. Voilà. Pour améliorer le son. Oui, pour améliorer le son, juste pour mettre mon corps en route le matin, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit calme. Mmh. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un de très stressé. J'aime bien être calme tout le temps. Hein? Le long tone, ça me permet aussi de faire fonctionner la respiration et de chercher vraiment le son que j'ai envie d'avoir. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a des... Si la veille au soir, j'ai joué quelque chose de très difficile physiquement, je peux le matin être un petit peu raide. Donc, ça va me demander plus de temps pour la mise en route. Mmh. Et parfois, si je suis dans une période où j'ai du temps pour travailler ou avec rien de très difficile, je vais toujours être plus ou moins en forme. Donc, c'est pas vraiment du temps pour chauffer ou pour... c'est du temps pour... pour passer des bons moments avec mon instrument et d'être content d'être avec mon instrument. Toujours en essayant d'avoir le son le plus joli et libre possible. Mm. Donc libre, c'est toujours, encore une fois, quelque chose qui soit résonnant. Mm. Et jamais dans l'instrument. Jamais poussé vers l'instrument. Tout le jeu de trompette, pour moi, se fait avant l'embouchure. Ah, délire, plutôt. Oui, c'est résonnant. Résonnant. C'est difficile de dire... Alors, c'est vrai que parfois, on parle avant, arrière. Mmh. On parle de jouer les notes aiguës vers le bas, les notes graves vers le haut. Mmh. Bon, tout ça, c'est des manières de penser, d'expliquer. Ça peut être différent d'une personne à l'autre.
Mais pour bien jouer d'un instrument, je pense que ce qui est important, c'est toujours de chercher un maximum de facilité. Et toujours ouvrir ses oreilles pour... Si le son est bien et que le jeu paraît facile, c'est qu'on joue dans la bonne direction. Ah. Voilà. Et donc, je pense que c'est plus important de faire confiance au son que de faire confiance à une technique qu'on pourrait apprendre. De lire dans un livre ou de dire, voilà, il faut que tu mettes ta langue comme ça, il faut que tu fasses... voilà, moi je m'occupe jamais de ça. Techniquement, ça veut dire que j'essaie de pas jouer avec la langue trop haute, mais j'explique jamais avec la langue, et moi j'essaie jamais de penser à la langue, aux lèvres, aux trucs, j'essaie juste d'ouvrir mes oreilles et que le son soit le plus souple possible. Je peux faire évoluer mon matériel, donc je joue essentiellement cette trompette en ut, Schilke, ce modèle, mais... parfois je joue d'autres instruments, donc sur la trompette en mi bémol par exemple, pour jouer Haydn ou autre chose, Neruda, le son va être plus brillant, mais c'est aussi ce que je vais chercher si je joue... différent de la trompette en ut. Mais c'est parce que c'est ce que je vais chercher à travers l'instrument. Je vais jouer Haydn, si je le joue avec une trompette en si bémol allemande, à palette, mon son va être beaucoup plus épais, ça sera une autre esthétique de son. Mais à chaque fois, c'est ce que j'ai envie d'avoir ici. Un autre exemple, par exemple, c'est cette nouvelle trompette qui a été développée par Adrien Jaminet, qui est une trompette qui est inspiré des instruments des années 50 ou 60 en France, des facteurs d'instruments. Donc évidemment, des facteurs célèbres comme Couesnon, Courtois, Selmer, Milroux et Aubertin, qui était un facteur très connu. Maurice André jouait des trompettes Aubertin, Roger Delmotte jouait des trompettes Aubertin, etc. Et donc cette trompette qui vient d'être terminée, qui n'est même pas encore commercialisée, c'est une trompette qui est la conception de l'instrument est moderne, mais l'identité sonore de l'instrument, c'est quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on entendait en France dans les années 50-60. Par exemple... Donc c'est un son qui est plus... brillant, plus petit, on va dire, mais qui correspond à la musique française de ces années-là. Et donc, encore une fois, je vais essayer de trouver un matériel qui m'aide à obtenir le son que j'ai dans l'oreille, mais dans tous les cas, le son, c'est moi qui vais le faire. Et donc, mon cerveau qui va s'occuper de faire travailler mon corps pour obtenir le son que j'ai envie d'avoir. Donc voilà. というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか、日本では賛否が分かれるロングトーンあまりやらないって方も多いのではないでしょうか。直訳すると長い音っていう名前がいけないのかなと個人的に思います。長い音と言われるとただ単調にメトロノームに合わせて音を伸ばすための練習のように感じてしまいますが、フランスではロングトーンのことをポーズ・ドゥ・ソン、響き合う音を置くというふうに呼んでいるんですよね。一つ一つ響きを確かめるように、唇や体の感覚を調整するように音の響きを置いていく、そうやって考えながら毎日練習してみると知らないうちに少しずつ自分の憧れの音に近づいていけるのかもしれません。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。フランスではロングトーンのことをポゼ・ドゥ・ソン、響きや音を置くと呼んでいるんですよね。おはようございます。何かお手伝いできることはありますか？大丈夫ですそうですね、万事順調です。はい マジか